Cette résidence date de 1968, elle posait un problème d'esthétique. L'habitation y a été faite il y a plus de 30 ans, est devenue vétuste par rapport aux images environnantes des autres bâtiments. Donc les travaux qu'il y a eu sur cette résidence, ce sont l'isolation thermique par l'extérieur, les remplacements des menuiseries extérieures, la réfection des toitures terrasses, la création d'une VMC, les embellissements des parties communes, la réfection du parking et les réfections des salles de bain. Pour un bailleur social, une réhabilitation, c'est un triple enjeu. Réduire les charges locataires, améliorer les conditions de vie de nos locataires et réduire l'impact environnemental des bâtiments. Donc le bâtiment était en étiquette énergétique D, il va passer en étiquette C, ce qui va apporter un gain de 10% environ pour les charges des locataires. Sheila, depuis 19 ans, le plus important que j'ai vu que vraiment il y a un changement, c'est les fenêtres. Avant, il y a des couleurs d'air, mais depuis qu'ils sont sans les fenêtres, c'est nickel, c'est super, vraiment. Le côté agréable des fenêtres, c'est voilà, on n'entend plus de bruit, on est chez nous, on sent pas l'air, on est très bien. Quand les fenêtres sont fermées, on a plus chaud dans l'appartement qu'on avait l'hiver dernier. J'espère que ça va nous être bénéfique, parce que... Espérons qu'il y aura moins de chauffage de dépensé. Bonjour Madame Landé. Vous allez bien? Ça va? Je venais voir si vous êtes autant. Je suis gardienne depuis 16 ans et je m'occupe de tout ce qui est entretien ménager des parties communes et des extérieurs et toutes les demandes concernant le dysfonctionnement des logements des locataires. Tout ce qui est travaux esthétiques de peinture, changement des boîtes aux lettres et tout, c'était nécessaire. Ça met un coup de propre, ça fait du bien, il y a plus de respect à la suite. La rénovation du groupe Robespierre s'inscrit dans une politique très globale du Havre-Seine-Métropole. Cette politique, elle vise à rénover un nombre non négligeable de logements. On est à plus de 10 000 logements rénovés jusqu'en 2021. Et l'idée est d'améliorer, bien entendu, l'empreinte carbone du territoire. Et donc ce quartier de Cocriauville, bah, écoutez, il va maintenant bénéficier d'une nouvelle résidence Robespierre, neuve et confortable pour ses habitants.